Oh.
Thank you.
de chaque fois qu'une vie de sa présence. Et n'avons-nous qu'il se sert de lui. Amen. Alléluia. C'est une prise, lui donne la joie. Tous les guerres lourds, lui piégé. Amen. Alléluia. Chaque fois qu'on vit de sa présence, il n'a qu'il se réussit. Alléluia. Amen. Laisse-toi aller.
de ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Chaque minute de la vie nous résonne, Seigneur, que nous sommes.
Frères et sœurs, eh bien, bonjour à tous et nous la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Et je crois que c'est un vrai plaisir parce qu'il nous sentit nous redevables à Dieu, ce qu'il fait pour nous. Un petit peu la voix là-dedans, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. C'est bon, merci Seigneur. Et la sœur Anouchka nous a prié pour que la parole de Dieu tombe dans la bonne terre. Il nous passe directement justement à... Est-ce que vous faites une introduction avant de nous lire le premier verset? Et si vous avez besoin de donner un titre, ou bien dire sur quoi vous pouvez causer ce matin, et vous pouvez causer justement ce qu'on appelle une fausse doctrine, un message, un enseignement qui n'est pas biblique. Hein? Qui meilleure nous réponse vis-à-vis d'une fausse doctrine? Est-ce qu'il excuse ça, nous disons, ok, ça va, et c'est excusable, bon, qu'on tire dans le milieu là, et sans réaliser qu'un enseignement y a impacté du monde. Bon. Bon, aujourd'hui, on m'a dit quand il est dangereux, quand on écoute ben fausse doctrine, ben histoire qui n'est pas biblique. Extra dangereux. Nous lisons avec moi une parabole, Matthieu 13, 24. Laisse-nous comprendre ça là-bas. Il leur proposa une autre parabole. Tu fais trop le son là, hein? Trop l'écho? Tu fais trop l'écho? Voilà. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alors Michel, elle met une bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, remarquez que même carreau, l'ennemi, la vie, c'est ce qui n'est pas bon là-dedans. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, je dis bien c'est son ennemi qui fait ça, vint semant de livrer. Livrer, c'est un peu pareil comme à dibler, il ressemblait, mais pas dibler.
parmi le blé. Pardon. Et ça en allant. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, il apparaît, ils poussent ensemble. Parce qu'il imagine qu'il y ait de l'eau, fertilisant, pareil comme un bon petit blé là. Bon. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton sang? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et là, il répondit, « C'est un ennemi qui fait ça. » Et ben, le serviteur dit, « Bon, ok, ce qui te donne nous dans la race, lui, ce qui te donne l'envie dans la race, ben, mauvais diblé, là. » Maintenant, pour moi, le but de ça, l'ennemi là, Vincent Diblé, c'est ça l'intention là. C'est qu'il devine Rasli. Suivez-moi bien, hein. C'est qu'il devine Rasli. Quand l'ennemi là, vient s'aimer avec intention, si vous demandez, mais qui fait-il faire ça? Il vous dit, ça non. Quand je vous trouve mauvais, je vous rassé. Et quand je vous rassé, je vous rassé aussi ce qui est bon. C'est sa prudence de Jésus là. Maintenant, dis-moi, il pilé dans vos doctrines. Arrivé à un moment donné, il est découragé, que ça qui est bon là aussi. C'est ça l'issue là. À un moment donné, tellement il pile dans mauvaise doctrine, que ça n'a pas arrivé, ça n'a pas arrivé. Il raconte ça, il raconte ça pendant des années, ça n'a pas arrivé. À un moment donné, il quitte bon là aussi. Il guette l'intention, ça l'aide. Mais là, pourquoi il s'aime ça livrer là? Le mauvais exemple, justement. Non, c'est ce que je veux dire. De peur qu'en arrachant livré, vous ne déracinerait en même temps le blé. C'est ça, dans c'est là. C'est beaucoup de monde comme ça. Hein? Et montagne, plein. Ça pas arrivé, ça pas de bosse. Et finalement, il y en a qui l'église. Il retourne dans le monde. Il n'est plus à l'église. Il n'est plus quoi la Bible là aussi. Il y a de l'intention de faux doctrine. C'est un peu qu'à suivre moi là. Bon. Et laisse-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ok, arrête là. Maintenant, sa parabole-là, il y a beaucoup de leçons là-dedans. Moi, je prends sa parabole-là plusieurs fois pour enseigner autre chose. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. Bon, aujourd'hui, c'est moi parce que le faux teaching, mauvais doctrine, mauvais enseignement, qui quand il est dangereux, qui vous écoute ça. Ou bien vous continuez à écouter. Vous écoutez un coup, c'est bon, mais si vous ne savez pas mieux que ça peut aller tout le temps, ben, à un moment donné, vous dites, mais Dieu, bon, nous voyons que ça, ces histoires-là, bien, tchiki. Adam tient un seul verset dans la Bible. Vous Adam et Ève. Vous tient la Bible qui est un seul verset là-dedans. Ne mange pas. Satan pressé pour venir expliquer ça? Satan pressé pour venir expliquer ça à sa façon. Finalement, quand mauvaise doctrine commençait, ben il commence là. Il n'y a pas d'adjoudi lié à ça. Faux doctrine commençait depuis dans ordre. Il y en a un seul verset petit là. Et Satan vient expliquer ça à sa façon et petit là mange sa boule là. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas grave? Moi, je dis, bon, excusez, parce que là, pas tellement connu, il n'est pas dans l'école, frère, là, il n'est pas tellement comprend. Moi, je suis l'esquise. Est-ce qu'il est vraiment mon cas, je suis l'esquise? Mais comme il y a de la vie là-dedans, moi, je dis, non, puis l'esquise, là. Un extra problème avant une fausse doctrine. Ils ont dit, crois-moi, et la terre remplit ça. La terre remplit en fausse doctrine. Extra fausse doctrine. Bon. Dans le troisième, l'église de l'Apocalypse, peut-être Mobouliani, troisième, l'église de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as laissé des gens s'attacher à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël.
Ok. Le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Bon, un petit commentaire, ça, trois réproches là. Mais j'ai ton, mais qu'on a de l'église, hein, tu ne peux pas mettre ben si vous voulez enseigner une doctrine de Balaam. Peut-être à nous, nous prenons doctrine après doctrine, le sujet dit uniquement doctrine après doctrine, aussi de passage au lazot. Doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est mélanger avec le monde. Non, ça correct ça. Car il pareil. Pareil moi le monde. Pas de problème ça. Bon Dieu comprend. Qu'est-ce que la doctrine nicolaïte? Bon, il y a eu ce explication de doctrine nicolaïte. Beaucoup de ne connaissent pas qui c'est quoi ça. Les nicolaïsmes désirent dans le christianisme, et particulièrement dans l'église latine du Moyen-Âge, le non-respect par les prêtres des mœurs spécifiques aux membres du clergé, que ce soit par le mariage, concubinage, commerce sexuel, ou encore le fait de prêcher la luxure. Donc, Nicolas, c'est une doctrine qui dit, bon, en tout cas, aller sexuellement dérivé, et aussi la luxure, prêcher la luxure. Alors, on dit, comment on appelle la luxure aujourd'hui? Prosperity gospel. Oui, c'est quoi la luxure? C'est prosperity gospel, là aussi. Réponse que Jésus-Christ peut faire à sa troisième église, hein, qui a dit, on enseigne doctrine Balaam, doctrine Nicolaï, et on laisse Isabelle, la femme qui se dit prophétesse, enseigner. Donc, on a trouvé que mauvaise doctrine, c'est un gros dégât, ça. Un vrai même gros dégât. D'avoir quelqu'un qui n'est pas bien connu, qui peut enseigner, ou les sous-enseigner. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Plus aujourd'hui, trouve-toi, mais c'est ça qui m'enseigne, toi. C'est ça qui m'enseigne, toi. Quand on regarde le produit final qui t'a venu, c'est ça qui m'enseigne, toi. Il est dangereux, laisse n'importe qui enseigne. Il est dangereux, laisse n'importe qui s'en a enseigné. Ramasse tout, mais ça, ce qui n'est pas biblique. Et qui s'appelle aller on et on, remplir la terre, remplir ça. Un jour, nous guettons ça. Et qui fait une plante livrée, c'est pour zèle, embarrasse le vrai blé. Et c'est ce qui embarrasse la vraie parole de Dieu. C'est mauvaise doctrine. Mauvaise doctrine. Merci Jésus. Vous connaissez l'ennemi direct de Jésus. C'était pas un païen. C'était pas le ben démon lui-même. C'était ben prêtre, ben enseignant, ben scribe, ben pharisien. C'était l'ennemi direct de Jésus. Matthieu 23, brosse un tableau, comment dit brosse de la tête. Matthieu 23, va me dire. Donc, l'adversaire de la parole de Dieu qui est Jésus, c'est l'enseignement. C'est bizarre, hein? C'est teaching qui peut aller plus on avec ben scribe, ben pharisien. C'est ben teacher, voilà, c'est ben teacher. C'est là Jésus-Christ, ce ennemi vraiment là. Le diable, non. Ben païen, non. C'est ben enseignant. C'est ben teacher, c'est ben quelqu'un qui enseigne la parole. C'est Sabana, l'ennemi direct de Jésus. Vos femmes aussi, faux l'enseignement, c'est une mauvaise affaire. Si vous fréquentez l'église, où t'as ben faux l'enseignement, ben des histoires qui ne sont pas bibliques. Pas essayer de comprendre, dire bon, mais ok, moi esquise. Non, esquise. À donner un seul verset, ça t'a envie de corrompre ça, toi tu n'as pas un million de versets, mais so what? Il en dirait. Le tout, il y a une affaire qui, simplement, répasse là. Depuis mon converti, on t'a dit, j'en dis, le diable voleur, venu pour égorger, venu pour détruire, etc. Le diable et le voleur. Ceci avant de Jean 10. Maintenant, on ne va pas dire que le diable est un voleur. Hein. Il est un voleur. Mais il y a d'autres versets qui disent ça. Peut-être que je l'oublie de ça. Mais Jean 10, pas peut dire ça. Moi, tu fais bien comprendre la fois d'hier. Qui c'est là qui s'appelle le voleur dans
Jean chapitre 10. C'est un cas qui Jésus-Christ appelle voler. C'est lui dire, ben qui vient avant moi, ben teacher. Ce sont tous des voleurs et des brigands. C'est ben l'enseignement. C'est ben faux teacher qui les percute comme voleur. Mais là, il dit comme ça, même contexte, il faudrait nous lire la Bible en contexte. Il dit le voleur, il est venu pour détruire tout. Il n'est pas inoffensif. Il n'est pas banal, ça, faux l'enseignement. Il détruit, il égorger, il voler. Donc, si tu m'écoutes, le faux l'enseignement d'un milieu. Excuse-moi, je vais le sauver. Les bons demandes, ça qui est bon là aussi. Là. Ça qui est bon, tu es dans les bons demandes, ça aussi. Les bons demandes. C'est ça l'intention, plante livrée. Mon plante livrée là, un soir. On n'a pas pu veiller. OK? Et qui peut arriver? On n'a pas oublié ça. Hein, tu crois? Il m'en a vraiment une intention pour Rassin. Je demande ça à l'autre, mais nous rassons. Il dit non, pas fait ça. L'intention du diable, c'est qu'il nous rassent tout. Quand nous rassent tout bon, tout mauvais. Non, on n'est pas des saints. Est-ce qu'il nous comprend ça? C'est très important. Dans ce même chapitre-là, Jean 10, pour me causer, il cause avec bon berger, avec mercenaire. Mercenaire, c'est quoi? C'est hired man. Je prends un dimon, je vais dire, tu connais, vilain berger. Veillez mon troupeau. Mais quand Mouton vient, il est sauvé, il dit, parce que Mouton n'est pas poli, ça. Il y a un travailleur, il y a un salarié, là, mercenaire. Il fait sa comparaison entre bon berger avec mercenaire. Même contexte. Il fait sa comparaison, là. Maintenant, il y a une affaire qui est assez... Je me souviens quand je trouve ça, il dit comme ça. Le loup vient, il scatter de tout. Tiens, le loup vient manger ou bien il scatter? Tout ça, moi, bizarre. Le loup, supposé, vient manger dans le troupeau là. Il dit non, il vient scatter. Mais toi, après quoi le loup vraiment là, Seigneur? Si le loup rentre dans une bergerie, il vient pour passer la faim là, il manger. Mais il y a bien écrit, il dit scatter pour éparpiller brebis là. Donc toi, après cause le loup vraiment là, toi, Seigneur. Tu après cause ça mène faux mercenaire là. Tu après cause ça mène faux teacher là. Il faudrait nous lire avec. Nous, qui nous lire, hein? Nous lire bien. Il dit non, mon éternel, mais le loup, il vient manger, le loup, il scatter. Il dit moi, non, il vient scatter. Mais il dit, tu avec le loup, toi. Tu peux combattre le faux teacher, là. Tu peux combattre le faux teacher, là. Merci, Jésus. À cause d'un qui, Éphésiens, il y a comme ça, vous dites, il y a dit, moi, Éphésiens 4, 14, on voit qui dit, nous peut être emportés par tout vent de doctrine. Éphésiens 4, 14, regarde ça. Ouais. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Maintenant, on trouvait qu'il faut doctriner ces mêmes enfants qui rentrent là-dedans. Ces mêmes enfants qui mangent faux doctrine. Il dit, nous ne sommes plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine pour la tromperie des hommes. Dans Zéria. Ça dit, quand c'est un faux doctrine, il y a un gros malin. Moi, je dis, non, langage créole, couillon, c'est manger malin. Malheureusement, il boule vos toi. C'est ça qui est dangereux là-dedans. Merci, Jésus. Maintenant, il a une l'impression qui s'est mis là. Moi, tu connais, bon, tiens, moi, ça. Moi, il y a une révélation, dit comme ça. Et puis, il y a une faux doctrine là. Moi, bon, tiens, moi, ça. Moi, le Saint-Esprit, tiens, moi, ça. Moi, je prie 8 heures de temps avant de finir, moi, avant de me gagner mes sables, je prie 8 heures de temps. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Menti, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire quelqu'un qui a pour le faux doctrine. Là. Il impressionne-toi au départ, lui. Il impressionne-toi qu'il bondit, il dit ça. Il y a une révélation pour ça. Il passe-toi sa faux doctrine, là. Il passe-toi sa faux doctrine, là. Tranquille, sans te remarquer. Qui fait? Il impressionne-toi avant. Pareil comme la the truth, la vérité, dirant-toi libre, ce qui faut ça, pour mailler toi, tu peux entangle quelque part. Il est automatique. Tu peux mailler quelque part. Moi, tout le temps, je veux dire, imagine-nous 55 ans, la parole de Dieu dans vos vies. 55 ans. 100 000 chrétiens, vous doutez si là. Vous doutez si là. Maille toute l'église qui est là. Mais tout milieu qui est là.
100 000 chrétiens, un dixième de la population mauritienne pas encore convertie. Qui n'a arrivé ça? Qui n'a arrivé ça vraiment? Trop beaucoup de doctrine. Trop beaucoup de doctrine. Mon petit, il y a la peau de sortie dans l'église, du petit grand qui a la peau d'entrée. Dis moi de quitter aller facilement. À cause de la faux doctrine. Maintenant, la Bible dit bien, comment on connaît qui gagne du faux? Mais dans ce qu'il dit, il n'y a pas arrivé. Il est derrière l'homme, il y a eu ça. Quand faut-il chez la diane affaires, il n'est pas arrivé. Et quand il n'est pas arrivé, on connaît, c'était moi, c'était un faux. C'était un faux. Il y a un qui, récemment, dit à mon frère, depuis 40 ans, je peux lier, mais je peux sarcer, mais je peux lier, je peux sarcer. Je ne peux pas trop s'avancer. Je peux briser ma malédiction là. Qui l'ont guéri malédiction? Une fois, le frère, moi, qui l'ont guéri malédiction, mon capable, venir, papa. Vous pouvez briser depuis 40 bananes, les amis. Non, tu es mal enseigné. Pendant qu'un verset qui dit briser. Pendant qu'un verset qui dit lier ou bien sarcer. Sarcer des mots, oui, mais pas sarcer malédiction, non. Pendant qu'un verset. Que tu n'apprends ça. Ça ne dit pas tout cas à Satan. Qui ça ne dit pas tout cas à Satan. Je peux tasser ça, on a dit dans la game. Ça n'y a pas de cas à faire ça. Non. Il y a pas chasse le diable. Pousse-le. Il y a les libres. Tu pousses-le dans la bête de tombeau. Il y a le cadre de libre. Mais il y a tasser, non. Comment tu as tasser? C'est bien une doctrine là, détruit les enfants de Dieu. Vous connaissez quelqu'un qui est mon frère, tu connais, je peux donner mon la gym. Fouf, je suis broke. 40 ans, 50 ans après, mon coup, broke, frère. Je peux donner. Ça ne dit pas quand tu donnes la dîme, tu pourrais réussir financièrement. Ça ne dit pas quand tu donnes la dîme, tu pourrais réussir financièrement. Ça ne dit pas ça. Bon, Dieu fait tant réussir financièrement, ça me totally agree. Mais ça ne dit pas quand tu donnes la dîme, tu pourrais. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Tu dis un pasteur, tu connais pasteur, mon broke financially. Tu donnes la dîme, tu donnes la dîme. So what, tu perds qui se voit là? Où est comme ça, teaching là? Non, mais c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. L'Église enseigne beaucoup de recommandations, sauf la recommandation qui est plus importante, c'est la sainteté. Vous voyez vraiment combien l'Église est là, dans Saint-Maurice, là, puis enseigne la sainteté. Vous doutez. Mais principe, l'eau principe, l'eau principe, un tas principe. Il faut là, je vais vous dire un frère, je vais vous dire 45 bananes, c'est pas 50 bananes, beaucoup de Seigneur. Je vais vous dire, je vais vous dire un risque, pas encore une risque. Puis que c'est un diateur ça. C'est un diateur de une risque. Tu vas te dire, malin fou, une mal enseigne, toi. Tu es 8 millionnaire, toi. Non. 50 ans, frère, là, en coopérer dans situation difficile. Mais je m'encourage, je suis la foi. Je dis, non, ça c'est la vie, la terre. Mais il y a moins de plein, moins de plein. Mon épée, mon épée, il faudrait même comprendre que je peux bien aller. Au fait, depuis 50 ans, le Père enseigne, tu dis besoin de guérir, tu dis vous besoin de guérir. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Non, Dieu guérit. Il ne faut pas dénier ça. Dieu lui guérit. Mais Dieu lui aussi pas guéri. Aussi pas. Bon, vous dites la truth, moi. Bon, vous dites la truth, moi. Il guérit, mais lui aussi pas guéri. Il est souverain, il fait ce qu'il a envie. Il est souverain, il fait ce qu'il a envie. Merci Jésus. Je ne pas à problème, mais ça, que vous faites à forme ton caractère. Forme tout là. Non, je ne vous donne un message sucre dose, moi, ma petite dire. Non, faut lancer. Moi, c'est une grave, grave affaire. Vous connaissez, vous pouvez dire l'affaire la fin d'hier, l'évangile en lui-même, les puissants lui. Je pense que vous allez ajouter là-dedans. Ajouter philosophie là-dedans. Ajouter stratégie là-dedans. Je pense que vous allez ajouter. L'évangile en lui-même, les puissants. Les puissants, hein. L'évangile en lui-même, les puissants. Vous comprenez, je raconte de la fin dernière, les adventistes. Il n'y a pas de guérison que Dieu. Il n'y a pas de prospérité que Dieu. Mais je me fais un travail formidable au Pérou, hein, au Guatemala.
Ce baptême pour 3000, 4000 qui vont baptiser, connaît le Seigneur. L'évangile en lui-même, il y a une puissance. L'évangile en lui-même, il y a une puissance. Ce qu'ils ont dit, Madame Anne comprend, et Naaman aussi, parce qu'il comprend ça, la simplicité. Ouais, tu dis, bon, Jésus-Christ, c'est Seigneur, c'est tout. Il n'y a pas une stratégie, pardonnez-moi, ajoute quelque chose à Adam. Non, mais pas, on ne peut pas se ajouter non rien. L'évangile en lui-même, il y a une puissance. Pour que nous connaissons comme musulmans dans le monde entier, à une simple message de Jésus-Christ qui donne de la vie à Dieu, au Pakistan, en Afghanistan, en Iran, Fastest growing church, c'est Iran. C'est Afghanistan, vous voyez? Fastest growing church. Puis pégale plus vite qui Maurice. Maurice 100 000 nouvelles. Afghanistan. L'Iran, un pays que nous avons gardé rideau de fer au gouvernement. So what? Comment on a zuté à l'évangile? Non, mais attends, Jésus-Christ, comment t'as-toi? Il m'a la croix pour toi. Voilà l'évangile, 30 secondes presque l'évangile. 30 secondes presque l'évangile. Il y a un milieu que tu trouves, bon, pas là pour critiquer, mais pour dire simplement the truth. Crier, rouler, tomber. So what? Dans le ministère de Jésus-Christ, c'est une seule qui gagne si tomber. C'est mort, ça fait 9 côtés là qui gagne, la gagne, qui gagne lunatique. C'est celle qui gagne. Ou bien tout le temps, c'est tais-toi et chaud. Non, qui met rouler. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pas comprendre, pas comprendre. Vraiment pas comprendre. Early church, l'église primitive, jamais ça qui existait. On dit c'est un show. Et dans ce show-là, qui sortit à la gloire? The preacher, not Christ. The preacher. Waouh, c'est qui gagne ça? C'est qui gagne ça? Qui a l'honneur là? The preacher, pas Christ. So what? On va comprendre, on ne va pas comprendre ça vraiment. Dieu guérit, hein? Dieu guérit, ça c'est sûr. Ça, Dieu guérit, c'est vrai. Dans l'église primitive, comment provision financièrement tu fais? Bon, Dieu provide, ça c'est sûr. Dieu les provide. Mais c'était pas en tasse. Avec les apôtres, il y en a des instances. Que le Ben-Timoun amène si bien. Avec les apôtres, nous lis à deux. Nous lis à deux versets. Avec les apôtres, chapitre 2, verset 44 à 45. Avec les apôtres, chapitre 2, verset 44 à 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient les produits en tous selon le besoin de chacun. How needs was provided? Comment needs yet provide? Portager. Lui, avec l'apôtre, chapitre 4, verset 34 à 35. Quand il n'y avait pas mis eux, aucun indigent. Pénin indigent. Pénin pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons vendaient, apportaient le prix de ce qu'il avait vendu et déposaient au pied des âmes. Portager. 11, 27. Chapitre 11, verset 27. Et en ce temps, des prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Il arriva en effet sous Claude. Les disciples résolus d'envoyer chacun selon leurs moyens, ses moyens, un secours aux frères. Comment ben needs to provide ses portances? C'est Endenlut. C'est Endenlut. Donc, il a même dit, il dit, non, fais ça. Non. Oui, Dieu lui provide, hein? Dieu lui provide, ça c'est vrai. Maintenant, nous avons évidemment, Philippiens chapitre 4, il y a ça, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec l'or de Jésus-Christ. Oui, je donne ça avec Luc 6, 38, il y a comme ça, on versera dans votre sein. C'est les hommes. Dieu pour guide les hommes au bout de toi. Ouais. Billets, pas pour ça. Non. Dieu pour tous les hommes. Dieu pour tous les hommes. C'était portage. Ils ont dit, mais t'es là, non. Pour millionnaire. Bon, pas comme millionnaire.
50 ans, pas pour. Non, c'est vrai ça, c'est un problème. Merci Jésus. Deutéronome dit comme ça, bon, pour donner-toi power, pour donner-toi puissance, pour faire ben, acquérir une ben richesse. C'est quoi ça? Pour donner-toi l'intelligence, pour donner-toi travail. Go in the market to make money, not in prayer. Non, Deutéronome dit ça. Bon, pour donner-toi puissance, pour acquérir richesse. Qui peut retenir pour là? Pour donner-toi l'idée, pour donner-toi travail. Pour acquérir richesse. Non. Il va venir comme on avait raconté là. Non, il n'est pas vrai. Il y a des renoms, ça fait vite de trouver. Il y a ça. C'est business, c'est travail. C'est pas rien à faire et à se prier. Vous pouvez être riche, vous pouvez être riche, vous pouvez être riche. Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans ce rien, donc, c'est ben food eating, c'est qui? C'est pas les hommes qui font ça, c'est Satan qui fait ça. Mon premier commentaire, Satan il a une seule verset, pardon, Adam il a une seule verset. Dans ce la Bible, Adam il a une seule verset. Imagine ça. Michel le diable, lui, il est pressé pour vous expliquer ça. Il est pressé pour vous expliquer ça. Puis qu'il a une seule verset. Laisse-le lire ça, laisse-le comprendre ça, laisse-le digérer ça, laisse-le avaler ça. On te pressé pour vous expliquer ça. Et quand il explique ça là, il explique ça wrong, lui. Ils ont dit wrong teaching, c'est qui peut teach ça? The pastor? Ouais, behind the pastor, there is le diable. C'est le diable qui est là. Mauvais enseignement, c'est le diable. Merci Jésus. Colossiens 2, 8, 9 nous dit. Vous m'avez dit ça? Colossiens 2, 8, 9. Ouais, voilà. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Faut attendre une autre manger. Voilà, philosophie. On a dit une philosophie. Et pas une vaine tromperie. S'appuyant sur les traditions des hommes et non sur les, pardon, et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Quand en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est tout vient une proie. Faut l'enseignement, faut attendre une proie. Carrément une proie. Merci Jésus. Moi, je suis quelqu'un d'affaire qui vraiment profond et dangereux. I take the responsibility, je prends mon responsabilité, c'est moi qui paye ça. Une demande-moi la question, je vous dire comment ça a été. J'aurais dit Dieu l'y guérit. Je vais dire moi, amen. Dieu l'y guérit. Il ne faut pas deny ça. Dieu l'y guérit. Et Dieu lui aussi pas guéri. Moi, je vais dire à ta là. Bon. Comme il va donner, maintenant on sait, nous, Esaïe 53, c'est dans ces maîtres cieux que vous êtes guéris. Je vais m'en aller montant ça, depuis que je me convertis. Right? Vous pouvez suivre ça maintenant. Et ça, c'est contre-dire, ça, c'est dans ces maîtres du ciel qui nous a guéri. Il n'est pas bien nous guérir de la maladie, lui. Nous être guéri simplement. Il arrête là. Mais être guéri de quoi? Je n'attasse la maladie avec ça. Je n'attasse la maladie avec ça. Personne n'a pas besoin d'attasser la maladie avec ça. Mais je n'attasse ça avec ça. 1 Pierre 2, 24 dit la même chose. C'est dans ces maîtres cieux que vous avez été, guéri. In the past tense. Vous avez été guéri. It's okay. Take it for granted, depuis que vous avez la guérison là. Nous faisons une petite étude assez logique qui nous servit. C'est vrai qu'on a une intelligence, on a une brain quand même. Il ne faut pas nous. Nous avons une brain du tout, right? Nous faisons une petite affaire nous-mêmes. Quand nous tournons à l'école, nous avons une petite brain nous servit. Donc, du coup, dans l'amour de Jésus, ce qu'on nous a enseigné, on a le salut et on a aussi la guérison. Il n'a pas dit la guérison du corps ou de la maladie, hein, mais on a attaché ça avec. On a dit c'est la guérison du corps. Donc, moi, il y a des bénéfices dans one shot que Jésus-Christ fait. Là, doucement. Que Jésus-Christ mourra la croix, moi, il y a la guérison, moi, il y a le salut de mon âme. Et moi, dans la guérison de mon écho, de mon maladie. C'est qu'il faut garder. Donc, logiquement parlant, quand vous acceptez Jésus, vous avez les deux. Because, tout l'idée, il provide de sa seule la croix là. Vous avez tout l'idée. C'est moi qui insiste sur le salut par la guérison. Quand vous acceptez Jésus, donc tout chrétien qui bizarre n'a pas malade. Nous, c'est raisonné, Ivan.
si dans la mort de Jésus, moi dans le salut, et moi dans la guérison de mon école, c'est-à-dire dans la maladie, puis aussi. Moi, comment je t'explique nous? Donc, en croyant en Jésus, vous gagnez le salut. Vous avez un deuxième là aussi? Est-ce que vous gagnez un deuxième là? Non? So, something is wrong about interprétation là. Ok. Vous trouvez ça wrong là? Ok. Est-ce que vous dites, ok, guérir là ne veut pas dire la, dans la maladie ça? Bon. Nous faisons une analyse. Moi, 15, ok. 1 Pierre 2, 24 répond la même chose. C'est pour ces maîtres sûrs que vous avez été guéri. Il va dire la maladie. Hein? Matthieu 8, 17 nous dit assez. Mon médecin là-bas, Matthieu 8, 17. Attends, tu cours. Matthieu 8, 14 à 17. Matthieu 8, pardon, hein, Matthieu 8, 14 à 17. Voilà, nous lire. Nous pouvons faire une étude ensemble, hein? Nous pouvons étudier ensemble. Quoi que moi, je finis, vous comprenez. Bon. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Je lis les affaires, là, hein? Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Esaïe le prophète. Il prit nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Laissons la même série. Hein? Nous étudier. Nous venons pour étudier là, nous étudions ensemble. Merci Jésus. Quand Jésus-Christ peut donner la guérison, quand il est encore vivant, il peut ministrer la guérison comme il guérit belle-mère de Pierre là. Est-ce qu'il peut guérir parce qu'Esaïe 53 dit comme ça? Comme elle est terminée, il a pris nos infirmités et s'est sorti de nos maladies. Est-ce qu'il peut guérir à cause de ça? Non. Non. Bon, c'est l'autre qui fait non. Il peut guérir parce que Luc 4, 18 dit comme ça, l'Esprit bon Dieu, il est au moins, il amène moi pour délivrer ben quelqu'un qui est captif, qui, la guérison, etc., etc. Combien l'Esprit bon Dieu, il est au moins, quand Jésus-Christ dit ça, Luc 4, 18. Donc, il peut guérir à partir de ce que l'Esprit bon Dieu, il est au lit pour guérir ben Dieu. Mais c'est une histoire qui l'étant ça, Matthieu lit ça avec Esaïe 53 là. Matthieu lit ça avec Esaïe 53. Mais Christ prend comment? Non, vérifiez. Christ prend comment là? Vos questions, moi. How it is que Christ prend comment sa prophétie là, sa prophétie Esaïe là, 53 là, il prend effet à partir des mots. Sa prophétie Esaïe 53 là, il prend effet à partir des mots. Il a pris l'eau lit, mon maladie, et il a pris l'eau lit, mon péché. Il a apporté les mots. Mais là, le Christ en commun. Christ peut guérir, pas basant l'eau Esaïe 53. Matthieu met un commerce. Sûrement. Matthieu met un commerce, mais il est irrélevant. Puis il n'a rien à faire avec Esaïe 53 là. Christ en commun. Christ encore vivant. Comment Christ peut guérir? Christ peut guérir parce que le 4 18 nous ça, l'Esprit bon Dieu dit au moins, amène-moi pour délivrer les captifs, amène-moi pour rendre libres les opprimés, etc. Là, il peut guérir à cause de ça. Mais pas à cause de ça, ça commet ce qu'il mettait là. Matthieu, mais ça commet ça. Est-ce que vous pouvez suivre moi là? Bon, nous continuons à suivre. Nous continuons à comprendre. Nous retournons. C'est. Quand vous ouvrez, vous lisez là, vous comprenez qui vous lisez, vous ouvrez. Écoute-moi. Esaïe 53 cause guérie, mais pas cause maladie. 1 Pierre 2, 24 cause guérie, mais pas cause maladie. Matthieu, tu sais le cause maladie. Zis Matthieu qui dira. Faites la Bible, vous dit. Zis Matthieu qui dit ça. Guérie de nos maladies. Non. Donc si Matthieu peut dire guérie de nos maladies, il perd juste dans Esaïe 53, il perd juste dans 1 Pierre 2, 24. Tu poses. Quand nous cause guérie, il ne faut pas nous sauter tout de suite aux maladies du corps. Non, pas vrai. Dieu guérit. On aurait dit Dieu guérit, hein? Dieu guérit. On aurait dit. Qui fait hein? Élisée guérit de l'eau. Quand on lui a dit, Élisée guérit de l'eau, il y a sani de l'eau, de le poisonner.
Maintenant, il y a besoin de stérilité, il y a bon, ok, ça va, amène du sel, etc. Il y a ma sanité de là. Si vous voulez aller en anglais, il a un chat, heal the water. Donc, quand on trouve le mot healing, c'est pas la maladie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, chasse ma face, je guérirai son pays. Heal the land. Donc, healing, c'est pas la maladie, vraiment. Pas uniquement la maladie. Heal the land. Jérémie, tiens comme ça. I will. Si vous trouvez, vous ne trouvez pas. Vous ne pas si vous trouvez là, mais vous connaissez ce verset existait. Ok, vous y allez. Revenez. Pas besoin de te lire. Hein. Bon, vous y allez, Jérémie 3, là. 3. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Mais en anglais, il dit. I will heal your backsliding. I will heal your backsliding. I will heal, pour guérir, ton backsliding, ton rétrograde. Vous allez on et on, hein? Quand nous trouvons le mot heal, le mot guérir, this does not mean sickness. Ça ne veut pas dire la maladie. Ni Isaïe 53 médecin. Ni un pied de 24 médecins, seulement Matthieu qui est médecin. Et Matthieu, c'est un commerce. Hein. C'est un commerce qui est pied. Bon. Jusqu'à le verset 16, c'est rédaction. Il peut raconter qu'il est arrivé. Je m'aurais dit. Jésus se rendit ensuite, journaliste. Là, les journalistes, les évangélistes, il peut raconter qu'il arrive, rédaction. Bon, compliqué là, non, pas compliqué là. Rédaction, il peut aller rédaction là. Il touche à sa main, etc. La fièvre qui dit le soir, mais là, bien bon. Verset 17, c'est un commerce. Verset 17, c'est un commerce qu'il lui avait dit. C'est un commerce. Un commerce de lit. Ce qu'il lit, il comprend. Ce qu'il lit, il comprend. Mais est-ce qu'il a raison, la lit? Non. Il va dire qu'il a guéri de la maladie. Tu vois? Maintenant, comment est-on une tendue, c'est pas ces maîtres sujets, tu finis de guérir. Mais moi, je me demande une bonne question, je me dis ça. Quand on croit en Jésus dans les années 80, 79-80, est-ce que mon gars le salut? Oui, mon gars le salut. Aura tu l'être sauvé? Oui, mon gars le sauvé. Mais tu connais dans ça, one shot que Jésus-Christ fait de la croix là, il a aussi la guérison. Ah bon? Il m'a supposé qu'il y a étudié alors. Il m'a pas étudié. Il m'a pas étudié. Mon corps, il a ben issu de santé. Moi, mon corps, il a ben issu de santé. Mais là, je ne peux pas de santé. Dieu dit guéri? Oui, il dit guéri. Et Dieu aussi n'est pas guéri. Donc, vous trouvez comme étant une BNE avec ces histoires-là, une BNE avec ces histoires-là. Il y a d'autres versets qui disent Dieu guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Moi qui éloigne la maladie de toi. T'as versé, non? Mais pas Isaïe 53, pas un pied de 24, et ni ça aussi. Ce qui nous fait comprendre comment mauvais doctrine travaille, nous. Vraiment dommage. Je vais terminer avec une histoire, je raconte ça. Bon, peut-être bout de bout, elle nous retourne. Combien de bananes, je vais vous dire, ceux de mes petits tombeaux, ils sont différents avec tous les œufs. Et. T'as du coup, moi, je suis perdu là, ok? Matthieu 18, ça vous voit. Jean 18, ça vous dit. Bon, pas de timopédia et de mémoire, là. Et. T'as dit, écoute. Bon, ok, qu'importe. Non, Matthieu 18, attends quoi. Souris. Matthieu 18, moi, il est temps avec eux. Matthieu 18. Oui. Bon, vous savez comment fausse doctrine traversée pendant 50 ans, nous avale ça sans même qu'il y ait une ouverture, fait nous comprendre. Sans même qu'il y ait... C'est une fausse doctrine, écoute ça. Quand là où deux ou trois sont assemblés au milieu... Pardon. Quand là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si on examine ça. C'est dangereux. Là, nous pécose, quand là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Veut dire « gathering ». Rassemblement, quand tu rassembles, le Christ est là. Tout le temps, nous croyons ça. Parce qu'il nous fait les enseigner comme ça.
Et même on dit non, c'est pas vrai. Ah bon, c'est pas vrai ça. Jésus-Christ, il a dit, il y a d'autres versets qui disent ça, mais pas sans verset là, quand il dit comme ça, quand tu as assemblé en mon nom, bon, au milieu de toi. Une probabilité qu'il faut garder en tête, qui c'est gathering qui peut causer. Non, c'est pas gathering qui peut causer. Bon, mon Dieu, de ça. Bon, Dieu, qui il va peut causer gathering. Ok. Vous prenez un portier verset 15. Vous prenez le métier, pas qu'à sa tête, c'est. Vous racontez-le. Moi, un peu vite, là, parce qu'il les a dit à moi 5. Si ton frère il péchait contre toi, bah, tu me prends n'importe quel. Ça verset qui me fait dire là, il verset 20 ans. Ça verset qui me voilà. Voilà. C'est l'intro du monde. Ça verset qui me fait dire là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Nous comprenons, c'est quand tu gathering les pécosés, Jésus-Christ est là. C'est faux. Pour vous autres, c'est faux. Si ton frère il péche contre toi, réponds-lui. Toi, écris tu sais lui. S'il écoute toi, frère là, il écoute toi, il est d'accord sur Héréa, il est d'accord répenti, ouais frère, moi blesse-toi, souris, etc. Qui te fait, ton gars, ton frère? Ton gars, il est. Mais tu peux y dire là. Tu as un désaccord entre toi et lui. Tu peux suivre moi là? Est-ce que tu peux suivre moi? Tu as un désaccord entre toi et lui. Tu as une cause en lui, ton gars, il est. L'autre verset. Mais si frère là, il a envie de rester dans des accords. Frère, là, non, Gora, tu me troubles, moi, Gora, je ne suis pas d'accord avec toi. Et qui conseille Jésus-Christ? Prends avec toi un ou bien des démons. Tant ça, si deux ou trois assemblés. Un peu là-dedans, là. Nous parlons dans le contexte, hein. Nous rentrons dans le contexte. Si tu prends toi des démons, un ou bien des démons. Ou bien tu prends des trois démons, je veux dire. T'as l'air l'effet que Dieu va si les trois du monde réunissent mon nom au premier des autres. Il y a plus là-dedans, là. Bon, ok. Nous venons là, doucement. Ok. Te prends avec toi les trois du monde afin que tu aies fait d'y régler l'eau déclaration de deux ou trois témoins. Deux ou trois témoins. Te causes devant les trois frères, tu fais frère là, comprends. Frère, toi dans les réas, répentis-toi, etc. Nous venons en accord. Nous paraissons des accords, nous venons en accord. Le verset. Si les refuse, écoute-toi. Pas quitte lui là. Qui pas quitter là? Pas quitter un désaccord. Tu veux suivre là, Ivano? Pas quitter un désaccord là. Si les pas écoute-toi, amène-le devant l'église. Bon frère, je connais moi qui va nous gagner la guerre, parce qu'il me coquasse pour autre monnaie, etc. Whatever. Mais mon cousin, il parlait pas de moi. Mon ami, il devant Charlène, Géraldine, Jacqueline. Nous causons les nous quatre, nous pas d'accord. Mais moi, je suis ça devant eux, voilà, il va nous parler de moi, des accords avec moi. Mais il y a un coup qui nous a fait pour Ivano. Un peu ça là. Ce qui nous fait comprendre, dis-moi, amen ou moi. Ok. Mais s'il refuse d'écouter l'église, Ivano, il se retrouve là, il ça, et même eux, causons moi, ici, je ne vais pas vous donner frère, moi. Non. Je ne vais pas vous donner ni moi. Donc, l'église ici, il garde des accords là. Il garde des accords là. Ok. Et là, qui te fait te conseiller comme un païen? Mais un païen, tu parles, il y a un païen. Est-ce que tu as un païen, toi? Non, tu pries pour lui. Tu es gentil avec lui. Tu donnes celui temps pour convertir. Tu traites comme ça, Lydia. Ok? Ok. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez, ça c'est mal traduit, hein, ça c'est lui, c'est bon. Hein. C'est ça qui te permet. Et dans le ciel, te permet de la terre pour permettre dans le ciel, et tout ce qui te délie de la terre pour délier dans le ciel. Moi, je suis que ça là. Sans histoire des accords là. Il passe sur la terre. Il est aussi reconnu là-haut, ça. Dans le monde spirituel, il est reconnu l'un des accords entre nous. Maintenant, nous retournons un petit en arrière. Verset 17. S'il refuse écoute toi, dis ça à l'église. S'il refuse écoute l'église, conseille-le comme un païen. Écoute ça. Encore première fois où vous entendez ça là. Un désaccord, nous bien comprenons qu'il nous fait cause à faire un désaccord là. Un disagreement là, un désaccord là. Un désaccord.
tu sautes un chrétien, tu deviens un païen. Un désaccord, tu sautes un chrétien, tu deviens un païen. C'est ce que je dis. Considère qu'il y a un païen pour toi. Considère qu'il y a un inconverti pour toi. Comme un publicain. Non, nous devons faire attention quand nous lisons ça. Hein? Un désaccord, là. Nous lisons 18 maintenant. Mais c'est en vérité, tout ce qui te permet de la terre pour permettre là-haut, et tout ce qui ne t'a pas permis de la terre pour permettre là-haut, veut dire, sa condition-là, voilà comment, voilà texte là comment peut aller. Voilà comment texte-là peut aller, comment maintenant mais nous on dit au texte. Ça, c'est histoire-là, là, il passe ici, là, il passe ici, là, là. Il lit avec le monde spirituel. Si c'est bien expliqué, là. Hein? Verset 18, 19. Vous dites encore, si deux à cause d'autres de la terre pour demander quelque chose, et elle sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Je veux dire, quand il y a la corité, quand il y a la corité, te demande pour agréer par Dieu. Il est toujours fait. Tes agreements et agreements là. Il est toujours fait de sa compte que ça. Désaccord et accord. Il dit qu'on a des accords, quand on a un agreement, il est là, Dieu pour accorder te ce qu'il te demandait. Quand il y a d'accord, il y a un agreement. Élevez des mémoires de l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée de Dieu, oui, c'est un agreement. Moi, mon d'église en eux, moi, pas mon d'église en eux, hein, l'église en eux, mais tu sens pas, c'est mon frère. Nous, mais mon nous, non, mais écoute, nous bien aller. Je vais vous donner un exemple, hein, nous, écoute, nous bien aller. Et là, il dit verset 20. Maintenant, verset 20, il n'y a pas qu'à passer au tirant de contexte. Verset 20, il n'y a pas qu'à passer au tirant de contexte. OK? Quand deux ou trois assemblés, en mon nom, au milieu des autres, côté dans la corité, côté dans l'atome d'accord, moi là. Côté dans l'accord, moi pas là. Il n'y a pas cause gathering. Ce qui maintenant fait nous comprendre, c'est gathering, c'est gathering, c'est gathering. Ce n'est pas gathering. Gathering veut dire rassemblement. Hein? Quand deux ou trois assemblés au milieu de eux. Je ne prends pas comme ça. Mais il n'y a pas venir ça. Il n'y a pas ce contexte, ça. Mais interprète la Bible comment dans ce contexte il était. Il ne faut pas te les rendre dans ce contexte. Vous êtes arrivé là? Il y a quand même la cour, deux ou trois assemblées d'accord. Ben, moi, au milieu de eux. Je veux dire qu'on paye dans la corité, paye dans la bonté. Si elle venait, comment se mot d'autre l'église, elle mot d'autre l'église, mot d'autre l'église, mot d'autre l'église, so what? Est-ce qu'il nous comprend aujourd'hui? Comme ça, il y a une tonne de versets, mon cas, il y a une tonne de versets. Que tu finis dans bobine nous pendant 55 bananes. Et nous allons là, take it for granted, parce que maintenant, on s'aille nous comme ça. Tu vois? Mais c'est fou. Donc, mon vie termine avec ça pour dire faux l'enseignement divin du diable. Sorry. Divin du diable. Quelqu'un nous donne mauvais enseignement, divin du diable carrément ça. Puis il y a un seul verset. Alors, un seul verset dans la Bible. Et tu viens corrompre ça? Donc, toi qui n'as pas milliers versets là-dedans, mais tam-tam pour les corrompre ça. Tu plantes du blé, il faut venir à soi, il dit, ah, c'est nous qui nous guettons à soi, là, avant beaucoup de zones. Puis, beaucoup qui viennent nous amener expliquer que ça veut dire à soi. À soi, il s'aime livrer. À soi, il s'aime livrer. Pendant que les gens dormaient, personne n'a amené, explique-moi, moi, je suis quand je dis. Pendant qu'il ne t'a pas veillé l'écriture, veillez et priez, veillez l'écriture. Pendant qu'il ne t'a pas veillé l'écriture, il s'aime livrer y aller. Pendant que les gens dormaient, ils n'ont pas mis watch, ils n'ont pas mis veiller. Non, veillez que ça. Ta parole est une lampe à mes pieds. Qui a tout tous? Watch avec tous. Watch avec la Bible. Watch. Pas payer moins de bêtises, ben, bérien.
les apôtres ne m'admirent rien. Plus grand apôtre qui existait, puis on s'en est là. L'apôtre Paul. Plus grand apôtre qui est là, ou pas fait religion, ou gobe tout ça qu'il dit là. M'admirent rien, non. Pas gobe, papa. Rote la case, bon homme, bonne femme, béréa, si c'est que de la Bible, pour la vraie même pédia bien. Pour la pédia bien là. Nous n'est plus béréa. Nous, Mauriciens, oui, je comprends. Mais Vinman Béréa. Plus grand apôtre qui existait, puis on sait les autres là. Je ne suis pas satisfait de rentrer la case, de choisir pour ouvrir les Écritures. Watch with the light. Veillez avec la Bible. Il y a pendant que les gens dormaient, ils ont fait watch. L'occasion pour s'en livrer. L'occasion pour donner une feu doctrine qui te croit pendant 50 ans. Que tu pavé morcé, te découragé. Pour la sacoula, bon type de la rousse, t'auras-y. T'auras mauvais, t'auras bon de sacoula. Vous terminez? Vous avez un enterrement, là, dans la semaine, là. Le pasteur Ashok Bikarine, bon. On est sur le Condi. Il y a une église Goodlands. Il habite brisé, à dire. Ashok Bikari, oui. Il mort. Il mort une semaine. Là. Mercredi, on sent son enterrement. Alors, moi, dans l'enterrement, mon Condi, longtemps frère, là, il s'est élevé à l'époque, puis il n'est plus élevé. Bon, ça c'est son histoire. Vous êtes ce frère. Vous êtes ce grand frère. Ce grand frère, un musulier dans Flac. Vous voyez quoi que ça, lui? Vous ne pouvez pas moi, hein? Vous pouvez voir mon Condi, là. Il dit, frère, mais tu as l'église, toi, ce petit grand frère. Il mort là, 74 ans. Donc, le boss est arrivé à Beuve, 74. Il dit, mais ouais, beaucoup de salades partir là, beaucoup de salades là, beaucoup de salades là. Il finit de comprendre. Il connaît ce qui me comprend beaucoup, là, moi. Il finit de comprendre qu'il est arrivé. Frère, là, le frère me laisse. Il n'est plus à l'église, il n'est plus là. Pourtant, ce frère, pasteur. Là, il dit, tournez, frère. Il ne pas rester que toi, tu restes brisé vers hier. Mais on a une église que tu as adaptée au pasteur-là. Que le pasteur-là, correct. Allez, à l'église. Allez voir ça à l'église. Sois une église, toi, allez. Que tu trouves-toi à l'aise. Mais qui fait qu'il arrive comme ça, là vos questions. Tellement, même qui est là. Évidemment, je connais ça, là. Je ne sais pas, moi, je suis ben non, là. Je connais ça, là. Je connais ça, là. Je connais ça, pasteur, là. Je connais ça. Vous trouvez, moi, j'ai un dimanche de tout. Vous voyez? C'est faux doctrine. C'est faux doctrine. Il y a des résultats, frère, là, comme on m'a dit aujourd'hui. À mon côté, un petit moment, on a dit, bon, ok, ça va, m'encourage-toi. Et puis ça, on est là, on a allé. L'enterrement, timidité, voilà, on est là, voilà, on a allé. Mais pour vous dire qu'il commet des gens blessés dans la vie, dans le cercle chrétien. Non. Veillez avec l'écriture. Veillez, ne dorme pas. Pas dormir. Ben l'enseignement qui vient depuis 50 balles là, check ça. Check ça. Comment ce matin, on check au moins un ou bien des versets. Est-ce que nous comprenons, frère et sœur? Faux l'enseignement pour empoisonner. Il vient du diable carrément. Nous mettons debout ensemble. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Pour louer toi, Seigneur. Pour rendre ta grâce. Merci pour cette église de Béchombo. Merci Seigneur pour justement les enseignements qui m'ont apporté dans cette église. Oui Seigneur, qui nous vient nous lier, Seigneur notre Dieu. Oui Seigneur, qui nous rappelle que le diable enseigne nous la parole de Dieu. Parce que le diable est un bon teacher lui aussi. Lui aussi est un bon teacher. Seigneur, me loue et toi dans le nom de Jésus. Me rends toi grâce. Merci pour ce matin Seigneur. Merci, merci encore une fois. Amen. Je vous disais, ça fait avant de faire belle chorale chanter. Suivez-moi bien. Faut nous d'accord pour comprendre la vérité. Faut nous choisir pour dire non, mais on veut écouter la truth. Vérité, on veut écouter vérité. On veut écouter bêtises. Si vous décidez comme ça, ou dans mon église, ou dans mon église. Écoute-moi. 41 chapitres. 41 chapitres de Job. 41 chapitres de Job. Il y a 42. 41 chapitres de Job. Le 42e, Job dit comme ça. Seigneur, longtemps mes oreilles titanent toi, parce qu'il y a mon litier de trouve-toi. Si vous lisez ça dans le message, vous voyez qu'il dit,
I was based on rumors. Here's our message. I was based on rumors. Rumors. C'est quoi rumors? Rumeur. Eh, non, mais c'est au bon dans une oration, hein? Rimeur, ça, tout la carte, pas bien la nonne. Rimeur. 41 chapitres, j'ai mis d'apprendre bon Dieu, nos rumeurs. Nos rumeurs. Vous dire bien nos rumeurs. Nous avons besoin pourquoi message est aussi comme ça. Message dit contemporain que nous l'en gaz. Hein? Bon, mais là, c'est ça. Rumeur. 41 chapitres. Maintenant, quand quelqu'un qui prend un verset qui dit comme ça, je ne vais pas le verset parce qu'il peut connaître mon cause aussi. Je ne vais pas cause personne, moi. C'est un verset qui est Eliphaz de Théman dire. Eliphaz de Théman dire sa verset là. Bon, c'est le verset là. Les trois amis de Job. Bildad de Choua, Eliphaz de Théman, qui est un ticket encore. Mais à la fin, Dieu dit Eliphaz de Théman, vingt-sa, garçon. Tout ce qui te dit là, ou pas d'accord, toi. Et Dieu pas d'accord, Eliphaz de Théman. Dieu pas d'accord. Si vous trouvez ça là, Job, Eliphaz de Théman, un petit coup d'un. Bon, moi, trop libre. Bon, pas ne dis pas dans la tête, ok. Dieu dit à une femme de Théman, c'est ça qui te dit là. Vous pas d'accord. T'en es offert? Tends-moi bien là. Il y a une femme de Théman, t'en es offert? Plutôt pas gagner ça problème au moins. Dieu dit ça, hein? Vous pouvez mettre dans le gaz, créole là. Algué Job. Qui vous fait un Seigneur? Ah, mon Dieu, bêtise là-bas là? Bêtise ou bêtise, te dis là. Algué Job. Fais-le prier pour toi. Maintenant, si Dieu n'est pas d'accord et qu'il fasse de Théman, peut-être Algué Job, fais Job prier pour toi. Sinon, dis fais pour l'autre. Mais moi, je ne peux pas comprendre ce qu'il fasse de Théman dire. Take it for granted, it's Bible, et je écoute ça. Souvenez-moi. Faire attention quand je dis le livre de Job. Faire beaucoup attention. Job dire. Mon connaissance, l'eau Dieu, est basée sur l'eau rumeur, rumeur. Quarantaine chapitre, l'eau rumeur. Je prends ça, le livre de Job, je lire. Je prends une pincée. Non, il faut nous venir intelligents, il faut nous comprendre. Il ne faut pas 50 ans chrétien, puis qu'on tient à val. Vous avez longtemps, je vais vous raconter une histoire. Petit, je ne pas connaître qui faire. Moro, tu disais que vous pas pour manger. Connais-moi, disais que vous pas aidé. Peut-être que nous n'avons plus tout ça aujourd'hui. Mais les enfants n'avons plus tout ça aujourd'hui. Ou gratticona avec pied longan. Jean, vous connaissez, hein? Disais que vous pas pour pleut. Disais que vous pas pour pleut. Qui m'a fait, moi, mange ça. Des fois, mon maman trappe moi. On a mon garçon clac. Mais comment il parle de moi, pour elle, manger, moi. Ces enfants qui font comme ça. Ou de moi, disais que ou du mot manger. Non, réalise ça. Moi, je ne disais que pas comme je suis petit. Moi, avouez ça, moi. Hein? Pour plus de disais que pas gagner quelques pieds longues. Si tu l'as plus fait tomber là-bas, on m'en plaint. Mais on dit non. Arrête-moi, on disais que pas. Arrête-moi, on disais que pas. Vine adulte. Grandis dans le Seigneur. Ce qui nous comprend, frère et soeur. La chorale chante, nous prenons pour la Sainte Seine.
Bonjour, monsieur Brassens, chers frères et sœurs. Alors, c'est pas ni l'entrain, ni coutume, ni tradition, c'est un affaire sérieux, sans l'oublier. Et on va pas dire qu'il existe, nous, qui la loi apprend ça, pas même elle entre, la loi féerique. Et la Bible nous fait quoi nous demande dans ce cas-là, et quand nous voit l'antissant qui nous dit ce qu'il est demandé, quand nous jurez ça, il demande le pot et le sang de Jésus, et il donne la vie. C'est la vie, ça. Merci Seigneur. Merci ce matin pour que vous pensiez, mon Seigneur, dans tous les mots que vous avez, et dans tous les sens, merci. Thank you.
partie de forme, on fait le fond, on le fond. Petit qui est administrateur, vous avez fait. Vous nous ramassez le fond, on parce que à partir du 17, aujourd'hui le 24, le 31 et le 8 janvier. Donc on peut être, non, nous ramassons, nous ramassons le fond. Nous passons deux manières. La première, c'est le fond ordinaire. Et la deuxième, c'est le fond pour les pasteurs. D'accord? Ok, on va. On va deux. Voilà, je vais chanter avec. Thank you.
comprendre. Ce n'était pas rassemblement qui t'y fait causer, c'était assemblée. Ce qui est profondément désiré dans le cœur, qui pour nous peut dire, ah, Seigneur, nous connais-toi. Mais nos conjoints, quelque temps, il n'est pas au courant, lui. Donc, désir de celui qui est, il peut être avec corotine, avec ses coups. Dans nos familles aussi, il paraît. Par exemple, nous avons des enfants, lui, il a un désir pour se faire telle étude, se faire telle petite chose en révélation de ma vie. Mais désir de l'enfant lui-même, c'est libéré, grandi, il devient un adulte, moi, oui, hein. Un adulte déjà chez moi, donc 21 ans, dès le 2 janvier. Longtemps, il dit tout le temps des vérités, tu dois faire ça, et tu dois faire ça, dès le record, papa, comme il travaille dur, etc. Mon pique qui existe, qui m'a demandé des trucs, ma mère. Tu es un plan pour pique, c'est pas désir de me les guérir, pour désir les guérir sur papa. Ça m'a franchement envie de dire, nous narcissons, nous démanions, vraiment, comment dire, mais dis-nous ce que toi tu veux, ce que toi tu rêves. Des fois, il t'aime pas ta mère, aujourd'hui, changer de mettre c'est autre chose. Mais combien de fois nous ne pouvons pas la prière pour nous acquis en vain, qui n'ont pas trop résultat, qui nous peut dire, ah Seigneur, de m'étonner, non, ma t'amène. Mais au fait, c'est pas, nous perdons pas en vain, parce que c'est pas le plan de Dieu. Il n'est pas pour finir, et je connais quand nous pas en accord. Quand on dit pas qu'on aime, pas qu'on le pénètre, alors qu'il peut être déçu. Mais est-ce qu'il nous bondit, c'est un Dieu qui décevoir? Est-ce qu'il c'est un Dieu qui fait une guerre faire mal, par exemple? Mon pas aimé parce qu'il me triste, non. Moi, aimé parce qu'il, justement, il a vraiment la chance de connaître la vérité. Beaucoup de fois, pasteur, c'est nous. Sont-ils dans sa monde communauté des religieux, que tout le temps nous dit qu'ils nous grands-parents indiens, nous matons indiens, oui, tu connais ça, parce qu'il y a indien ça. Mais pas oublier vous eux, c'est pas que le pasteur, vous êtes dans le Saint-Esprit qui révèle eux. La même Bible qui pasteur lire, même révélation, c'est même Dieu ça. C'est pas comment dire, est le Dieu, prier le Dieu pour nous, qui pour faire ce qui nous contente. Parce qu'il est souverain, c'est lui qui décide tout. Et dans me dire comme ça, Seigneur, qui t'aimait, c'est qu'il est dans la main. Il dit qu'il a la grâce de Dieu avec eux. Et s'il me fait tromper par terre, non. Il dit qu'il veut la grâce avec eux. Est-ce qu'il nous conscient, c'est quoi la grâce de Dieu là de quoi aller sur le 24? Vous connaissez beaucoup de oui, PNOL, etc., les enfants. Mais est-ce qu'il nous connaît ça? Nous connaît le fait de la grâce de Dieu, comment le monde peut célébrer la naissance de Jésus, peut faire une petite crèche, etc. Lui, il n'a pas, il nous dit qu'il nous a offert la chance, hein, il n'est donc clinique, donc il m'a assisté, etc. On sait qu'il y a la chance, mais comme ça. Mais la grâce, vous êtes, c'est le fait qu'il nous l'a senti. Et qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de capacité, ou bien qui ne connaissent même c'est quoi la grâce. Donc, être reconnaissant et son Dieu nous sent la bonté de Dieu. Nous faisons envie de partager ça avec nous, un jeune qui fait. Parce que, comme content et qui gagne, comment, par exemple, David est content sur papa, il a une façon pour montrer sur papa qu'il est content. Il est content sur maman, il a une autre façon pour montrer comment il est content sur maman. Mais quand tu es content, Dieu, demande-lui, Seigneur, comment mon capable montrer toi qu'il est content. Toi, pas dégager mes l'église, venir. Grand matin, lumière, parce que moi, mes premiers rentrés, mes pieds étaient finis. Non, ce moment, mes torts. Et bon Dieu, mes travails. Mais, me les dire, quand nous sortis là, connais c'est quoi la grâce en toute la vie. Et me profite de l'occasion pour dire de tout qui nous l'a connu bizarité. Et pas abandonner. Pas baisser les bras, prier guérison, prier prospérité, prier pour bonne vie, prier bonus, soin pour gagner bonus infini. Connais qui Dieu est là. Et se sent avec nous pour gagner les paroles. Pour gagner les paroles. Donc essayez même, tout en faisant la même début ça, des fois, quand j'ai nous raté. Hyper important ça, mais que la bonté de Dieu. Souris me prête si besoin.
bon. Hein? C'est bon, ouais, voilà. Ok, merci. Et vous faites des annonces. Vous êtes des affaires pour faire des annonces. Vous pouvez pas aller créer tout le monde au passage. C'est intéressant. Vous mettez il mettrait. C'est pas ce qu'on va dire. Je crois qu'il mettrait bien à dire. Mais cela veut dire qu'il n'est pas capable de l'œil, pas capable de prendre. Il n'est pas capable un l'œil. Ça, c'est intéressant. Il y a un l'œil. Un l'œil veut dire régler ce coup-là, hein, longtemps, c'est pas l'enseigne longtemps. Un l'œil. Et après, il mettait ri-l'œil, ré-apprendre. Ça processus, ça nous aide. Un l'œil. Un l'œil, mauvais fonctionnement d'une apprendre. Et ri-l'œil. Pourquoi ici nous faire ça? La projection nous fait ça ici. Dans beaucoup d'affaires au monde qui dort, comment mieux apprécier la vie? Mieux apprécier. Si vous me dites, vous n'avez pas compris, vous dites ça, le chrétien va lire. Après, vous me dites, mais comment vous ne pouvez pas lire? Vous ne pouvez pas lire? Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas lire. Le client ne veut pas comprendre. Mais vous ne pouvez pas, non. Pour vous donner goût à l'écriture. Pour vous donner goût à l'écriture. Ok, bon, comme annonce, la deuxième priorité. Congé, oui, Congé, nous allons semaine prochaine, ok? Semaine prochaine, nous allons. Et, désolé, mon Dieu, merci. Seigneur, merci pour ça, mon Dieu.